Décidément, parfois, le packaging n'est pas vraiment folichon. Hein. On dirait presque une boîte d'allumettes. C'est tout petit. Il n'y a rien d'écrit. Il y a juste l'étiquette de chez Tiny Deal. Et à l'intérieur, il y a ce qui ressemble fort à une clé. Voilà. Donc, on dirait une clé. Hein. C'est marqué Naman dessus. Voilà. Et en fait, hop, c'est un canif. Cherchez pas d'autre utilité que ça. C'est un putain de canif. Très mal aiguisé celui-là, hein. Contrairement au couteau Batman. Alors là, ça. Bon, je pense que ça coupe un petit peu quand même, mais vous craignez pas grand-chose, hein. Très franchement. Voilà. Bon, j'imagine qu'on peut l'aiguiser. Ça, la lame rentre pas complètement dans la clé, ce qui est un peu dommage, du coup, parce que ça casse l'illusion. Mais l'avantage, j'imagine, c'est que vous pouvez le mettre à votre porte-clé et avoir toujours un petit canif sur vous et être emmerdé quand vous allez à l'aéroport et vous vous retrouvez dans une salle où on va vous faire un toucher rectal. Voilà, donc c'est à peu près la seule utilité de ce truc. C'est très épais en plus pour aller dans un porte-clé, je pense, donc pas vraiment convaincu par cet objet. Hein. C'est tout pour aujourd'hui.